Yo Ramazam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale, c'est une vidéo que j'ai vue un peu partout sur YouTube. Alors je sais pas si vous connaissez les sondages sur Instagram où vous répondez soit par oui ou soit par non. Du coup je vais utiliser ça aujourd'hui et en fonction de vos réponses je vais organiser ma journée. Je viens juste de me réveiller, il est 7h30 du matin, donc je me suis pas encore coiffé. Comme vous pouvez le voir j'ai lavé mes cheveux hier. Et donc du coup c'est à vous de décider si je mets une casquette ou sinon je coiffe mes cheveux. Et personnellement entre nous je préfère mettre une casquette parce que du coup c'est plus facile et puis j'aime bien mettre les casquettes parce que voilà tu fais rien avec tes cheveux, tu mets juste la casquette et puis voilà c'est caché. Donc je vais mettre tout de suite sur Instagram le sondage si vous voulez casquette ou coiffé, et pour ceux qui me suivent pas sur Instagram ben, du coup vous n'allez pas pouvoir participer à la vidéo. Sans pas encore sur Instagram, voici mon @@lady_jangté. Voilà, si vous voulez voir mes photos c'est sur Instagram. Donc allez c'est parti, je vais poster ça tout de suite. D'accord, super, je viens juste de voir sur mon téléphone pour si vous préférez coiffer ou casquette. 78% qui me veulent coiffer et 22% casquette. Donc du coup, bah... Ah là là, il va falloir que je me coiffe alors. Et voilà les amis, j'ai fini de me coiffer. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'utilise jamais de peigne parce que du coup, j'ai pas trop besoin de peigner mes cheveux. Et donc là maintenant, je vais prendre mon petit déjeuner. Et pour cela, c'est vous qui allez décider si je prends du muesli ici ou bien mon péché mignon, un petit gâteau. Je vais vous demander tout de suite sur Instagram si on met breakfast, soit le gâteau au chocolat, soit ben, le muesli. J'attends 10 minutes pour voir votre réponse. A tout de suite. Personnellement, entre le muesli et le gâteau au chocolat, je préfère le gâteau au chocolat. Donc je compte sur vous pour dire gâteau au chocolat. Parce que ça, j'en mange tous les jours et... Non, il est pas mal, mais bon. Je préfère ça, miam miam. Bon les amis, vous avez tous répondu. Tadam ! Oui ! Merci beaucoup, vous avez été 94% à répondre gâteau au chocolat et 6% pour le muesli. Donc du coup, je suis super content. Une petite banane. Excellent. Des petits gâteaux au chocolat. En fait, c'est chocolat banane. Vous voyez, un bout de chocolat dedans. Excellent, c'est moelleux. Merci la team. On se connaît bien. Hein. Chocolat, c'est la vie. Alors, concernant sur comment je vais m'habiller aujourd'hui, je vous ai proposé sur Instagram deux choix. Alors, tout d'abord, il y a la tenue 1. Ça, je pense, voilà, c'était la tenue 1, un débardeur avec un short. Et la tenue 2. La tenue 2, c'est un t-shirt colvé avec un pantalon, voilà, un pantalon avec des trous, un jean quoi. Je viens juste de poster et j'attends vos réponses dans 10 minutes. Je préfère la tenue 1 avec un t-shirt parce que là en ce moment il fait super beau, il fait super chaud. Donc du coup pour aller en ville en pantalon, voilà. C'est un peu bof bof, donc allez, j'espère que vous allez choisir le short. Voilà, ça fait 10 minutes que j'ai posté le sondage et la réponse, c'est quelle tenue je vais mettre aujourd'hui, c'est celle-là. Et oui les amis, c'est pas sympa de votre part parce que vous avez choisi le jean avec le t-shirt. Bon ça va, le jean il est super à l'aise, sauf qu'il fait un peu chaud en ce moment à Tahiti, mais sinon ça va, je valide votre choix. Alors les amis, maintenant je dois aller en ville pour aller récupérer mes lentilles de contact à Alain Felou. Je sais pas si je peux dire la marque. De toute façon, je suis pas du tout sponsorisé par eux. Je vais en ville et j'aimerais vous poser la question si je vais à vélo ou en voiture. Donc, s'il vous plaît, choisissez la bonne réponse. Vous savez, c'est laquelle, ok? C'est la voiture, évidemment. Parce que vous avez vu comment je suis habillé? Voilà, je vais pas aller faire du vélo habillé comme ça. Et en plus, si je mets le vélo, je dois mettre le casque. Et vous avez dit de me coiffer, ben ça va tout détruire ma coiffure, les amis. Je compte sur vous, j'espère que vous allez choisir la voiture. Je poste sur Instagram tout de suite. Alors... Vite fait, vite fait. Je vais mettre go en ville, vélo ou voiture. Et voilà, c'est posté. Et dans 10 minutes, ben, je regarderai votre réponse. Bon, ça y est les amis, ça fait 10 minutes que j'ai mis le post. Et puis, vous avez décidé que je vais en voiture. Mais de peu, hein, on est à 44% vélo et 56% voiture. Surtout que je me débrouille pas très très bien en vélo. Voilà, en fait, je suis sûr que vous avez pensé à ma coiffure. Voilà, vous avez pitié de moi. Donc du coup, merci beaucoup. Et puis, let's go, c'est parti, on va en voiture. Et là, je crois que j'ai de la chance parce que du coup, il y a mon père qui va en ville. Je vais lui demander de me déposer aussi. Allez, à tout de suite. Ben, on est presque à moins 50-50, hein. Quoi, Charlotte aussi? Charlotte, elle est déjà à vélo. Truc de ouf.
Théa aussi. Alicia. Après le miroir, okay. Tu veux soit le mettre comme ça, ouais. Soit comme ça, comme tu préfères. Ok, d'accord. Donc ça, ce sont les lentilles droites. Ok. Quand tu prends ta lentille, bien faire attention parce qu'il y a un sens sur les lentilles, tu peux les mettre à l'envers. Ah, ok. Potentiellement, dans le bon sens, tu la plies à la base comme ça. Ouais. Si les bords viennent se toucher, c'est que c'est à l'endroit. Je vais te montrer comment ça fait quand c'est à l'envers. Comme ça, tu vois. Mmh. Ça, c'est la partie colorée. Ouais. Là, t'as l'iris avec la partie colorée. Et le cristallin, voilà. Donc quand tu mets ta lentille ici, il suffit de faire tourner ton œil dans tous les sens et la lentille, pof, automatiquement elle va venir se remettre sur la cornée. En fait, ça dépend de ta capacité à toi à bien ouvrir. Hello tout le monde, je viens chercher tes lentilles. Voilà. Et ça me va quand même en fait. Oh ben ça va, alors je dis ça. Hey, what are you doing there? Asuna, qu'est-ce que tu fais en haut? Et toi? Hein? Just don't get too far. Oh, Fox, quoi? Donne la patte. Non, pas couché. Bon les amis, maintenant nous allons goûter le tsum. C'est ce qu'on a acheté juste ce matin. Donc en fait c'est du riz gluant avec de la viande à l'intérieur. Ça a l'air très bon. C'est quand même bon. D'ailleurs j'avais goûté ça dans la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Je mettrai un lien juste en haut sur le petit lit. Sinon ça se calme bon. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, je me suis changé parce que là on va se rendre à une salle de sport qui se situe à Punavia au Lotus pour aller rencontrer un futur sponsor et aussi pour préparer un projet qui me tient beaucoup à cœur dont je vais vous parler très prochainement ou peut-être de toute façon si vous me suivez sur les réseaux sociaux sur dans les stories Snapchat ou Instagram, normalement vous avez déjà quelques indices. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de vous en parler. Oui, je sais, les chaussures, c'est pas la même couleur que mon t-shirt. Parce qu'en fait, j'ai des chaussures rouges, mais les chiens ont bouffé mes chaussures. Donc du coup, je suis obligée de mettre les bleus. Bon allez, c'est parti les amis. On se motive, faut aller faire du sport, ouais. Je sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est le Lotus. C'est plutôt joli, c'est tranquille. Oh, il y a un étang. Oh yes. Je vais vous demander si je travaille plus les pecs ou les bras. Donc c'est à vous de me dire. Je vais faire la story pecs ou soit les bras. Ok, c'est bon, c'est posté. Je vous laisse 10 minutes et je vais regarder ce que vous m'avez proposé. Allez, bon ça y est, ça fait 10 minutes les amis. Et là, à 61%, vous m'avez proposé de faire les pecs. Ok, ça marche. Allez, on y va. Ce que je vous propose, c'est un programme on va dire pyramidal. Tu vas d'abord petit à petit en charge. Tu vas commencer par faire beaucoup de répétitions, une certaine charge. Ensuite, on va augmenter les charges jusqu'à ce qu'on va avoir. Ça marche, ok. Tu vas mettre la barre à hauteur de tes yeux. La barre à hauteur. Tu inspires à la descente et tu souffles la barre à hauteur. Je sais pas pourquoi ils ont dit tous les pecs. Hein. 61%. Normalement, les pecs, c'est du reste. Ah ouais? C'est bon. Ok.
Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like monter là. C'est le dernier. Dernier. Allez, dernier. Méchant le truc. C'est Dieu, bah c'est ça qui est bon. Yes. Oui. Ça va? Alors comment j'étais, comment c'était cette séance là? Bah je pense que c'est toi qui t'as fait la séance quoi. Ouais, là je sens quand même tous mes muscles quand même bien congestionnés et tout. Voilà, comme tu dis, je pense que je vais plus sentir les pecs ce week-end. Merci beaucoup, hein. J'étais content. Yes. Allez, ciao. Tada. Donc voilà les amis, le sport est terminé, ça a été super cool. J'espère que vous aurez aimé cette petite training, musculation. Il est midi et demi, je vous demande sur Instagram tout de suite si je vais manger au McDo ou un casse-croûte. Voilà les amis, ça fait 10 minutes que j'ai posté le sondage. On est à 39% qui m'ont dit casse-croûte et 61% McDo. Donc vous savez très bien que j'aime pas trop manger McDonald's parce que je pense pas que c'est du bon mal. Comme j'avais dit, c'est vous qui décidez de ma journée. Donc du coup, 61% ont voté pour aller manger au McDo. Je voulais vous demander si on mange sur place ou si on fait un McDrive. Donc ça y est, j'ai posté la story Instagram. Donc dans 10 minutes, je regarde vos réponses. Bon les amis, donc là, on se dirige au McDonald's que vous allez voir dans 4, 3, déjà. 2, 1... C'est là, vous avez été plus nombreux à voter McDrive. Donc du coup, ben, let's go McDrive. Lost in your mind. I wanna know. Am I arrivé. Oui, on mange McDo parce qu'en fait, je t'explique. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram si on devait manger McDo ou casse-croûte. Et donc du coup, ils ont choisi McDonald's. C'est toute la famille qui va manger McDo. Ah, Je sais pas. Pourquoi vous avez choisi McDo et pas casse-croûte? Pourtant, ils sont bons nos casse-croûtes. Mais McDo aussi, c'est pas mal. Ce sont des choix, pas des techniques. Ouais. Bon les amis, je viens juste de me réveiller, j'ai fait une petite sieste, enfin une grande sieste en fait. Je viens juste de poster sur Instagram si vous voulez une vidéo training ou si vous voulez un musical.ly. Donc à là tout de suite, bisous. Bon ok les amis, ça fait 10 minutes que j'avais posté la photo sur Instagram. Vous voulez vraiment que je me bouge les fesses hein, parce que vous avez été 51% à demander un training et 49% pour un musical.ly. N'empêche, vous voulez aussi des musical.ly, ben n'hésitez pas à aller voir mon musical.ly tank.teddy que je vais mettre juste là, tank.teddy. Voilà, je m'amuse vraiment à faire des musical.ly, c'est vraiment pour le fun, pour rigoler. N'hésitez pas à aller voir tank.teddy. Et puis ben là, let's go to the training. Wow. Oui. Allez, Twin, lâche pas, c'est ça. Allez, Twin. 7, 6, c'est bien. Oh, c'est mieux les coups de poing là. Bien ça.
9, 8, 3, 2, 1, go! Ouais, c'est bien, Mitty! Étant donné que le score a été très très serré entre un musicali et un training, vous savez ce que je vais faire? Un musicali training. Donc j'espère que vous allez aimer. C'est parti! Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une journée hyper top. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette vidéo là. Vous avez été super nombreux, ça me fait super plaisir. Ma communauté sur Instagram est juste au top. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vais le mettre juste ici, @teddyjonté. Vous pouvez retrouver ma dernière vidéo en cliquant juste là et vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste là sur ma tête. Et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté, juste en dessous. Comme ça au moins ça vous préviens que je sors une nouvelle vidéo et comme ça vous serez toujours au courant. Merci encore une fois à vous du fond du cœur. J'ai pris super plaisir à tourner cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Il me reste plus qu'à vous dire Maururu, Nana et à bientôt les amis. Allez, peace.